Alors maintenant, ce qui va être sympa, ce serait de pouvoir capter l'information entrée dans le champ du formulaire. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est parti pour la programmation. Alors tout d'abord, j'espère que vous prenez énormément de plaisir à faire ce genre de développement, à bien connaître le HTML, à bien connaître le CSS. Alors, je ne sais pas si vous allez en faire votre métier, si vous en faites une passion, mais quoi qu'il arrive, prenez toujours du plaisir à faire vos développements. Il n'y a rien de mieux que de faire un job qui plaît. Voilà, on ne fasse pas par contrainte. Et ça, c'est le genre de métier qu'on choisit, on ne subit pas. Bon, ça n'empêche pas que on doit quand même tenter dans son travail d'en prendre toutes les bonnes satisfactions et d'être détendu. Parce que si on est détendu, justement, ça permet de mieux faire ces programmes, de mieux les anticiper et de ne pas créer d'erreurs. Pour l'instant, on est sur des choses simples, mais plus nous allons avancer dans le PHP, plus les choses vont devenir complexes. Donc, il vaut mieux être ultra concentré et détendu pour ne pas faire n'importe quoi. Alors, donc, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Là, ce que l'on a dit, c'est que de toute façon, nous allons faire jouer, en fait, tout notre script au sein de ce seul document. Alors, l'idée ici, c'est de pouvoir capter quand l'utilisateur va appuyer sur, ici, le bouton de soumission. D'accord? Et là, ici, on aura deux choix. Soit, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton de soumission, il n'y a rien. D'accord? Il n'a rien rentré. Donc là, comme moi, je fais, pouf, j'appuie là-dessus. Mais j'ai rien rentré. D'accord? Soit, il a rentré quelque chose. Et quand il aura rentré quelque chose, on aura deux choix. Soit ce qu'il a rentré satisfait à notre programme, soit il ne satisfait pas à notre programme. Alors, pour le moment, nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est de capter le moment où l'utilisateur a cliqué ici sur le bouton de validation de formulaire. Alors, quand je reviens sur mon doc, alors j'allais dire sur mon document HTML, qui est mon fichier index.php, qui au demeurant ici pourrait très bien être index.html, d'accord? Mais maintenant, je vais avoir besoin d'écrire mon PHP. C'est pour ça que je lui ai donné son extension PHP. Alors là, du coup, qu'est-ce qui va m'intéresser? Moi, j'ai anticipé, quand j'ai fait mon bouton de validation de formulaire, j'ai dit quoi? J'ai dit, je vais lui donner l'attribut name avec une valeur de façon à pouvoir capter justement le fait que l'utilisateur ait appuyé sur le bouton de validation. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on écrira le retour. Donc, soit l'utilisateur il n'a rien rentré, soit je lui donne la capitale, ou etc. J'écrirai ça ici, là, juste en dessous. Donc, du coup, je vais écrire mon PHP après la paire de balises forme, pourquoi pas. Donc je me mets là, alors je peux revenir là, enfin vous faites comme vous voulez, et ici je vais ouvrir puis fermer mon PHP. Bien, alors, donc j'ai dit là, je ne vais faire jouer mon PHP que, et si, enfin, si et seulement si l'utilisateur à cliquer sur le bouton de validation de formulaire. Sinon, je ne joue pas mon PHP et donc j'aurai pas d'erreur puisque je ne le joue pas. Et moi, je sais comment je capte le fait que l'utilisateur ait cliqué sur le bouton de formulaire puisqu'il va générer une super globale de type post, donc dollar underscore post validé. Et donc, je vais tester sa présence. Alors, je mets en place une condition, donc je mets en place les bases de ma condition. La paire de parenthèses, c'est la condition. La paire d'accolades, c'est là où les instructions à jouer. Alors, c'est quoi la condition? Eh bien, s'il existe, donc grâce à ma petite fonction iSet, s'il existe une super globale nommée dollar underscore post validé. Validé. Voilà. S'il existe ça, alors attention, parce que là, j'ai mis dollar underscore post. Voilà. Contrôle. S'il existe cette variable, bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, pour le cas où l'utilisateur n'a pas entré d'informations dans le champ ici de type texte, d'accord? Si jamais ce champ-là est vide. Bon, alors là, c'est pareil. Là, il va falloir que je mette en place une condition. Donc, je vais mettre une condition maintenant à l'intérieur de
ma condition if si le bouton de soumission a été validé. Donc là ici je vais mettre en place une nouvelle condition if, voilà, qui n'a strictement rien à voir avec la première. Et ici je veux capter quoi? Je veux capter si ce champ là est vide, c'est tout. Donc comment je le fais? Grâce à ma fonction empty. Voilà, alors là pour pouvoir hop, une paire de parenthèses, pour pouvoir capter si c'est vide, bien je vais aller chercher la variable qui sera générée, une variable de type post qui sera $_post_pays. Donc je vais chercher le name pays. Voilà, donc je vais vérifier si cette super globale $_post_pays est vide. Voilà, si jamais c'est vide, qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais tout simplement faire un echo comme instruction, hein, c'est l'instruction que je vais donner, et je vais dire quoi? Je vais dire merci d'indiquer, alors attention je vais échapper la cote sinon j'aurai un problème, merci d'indiquer un pays. Voilà, c'est sympa, hein, c'est tout simple, et ça par contre c'est 100% interactif. J'appuie là dessus alors normalement il va me l'écrire, voilà, puisque j'ai appuyé plusieurs fois dessus, donc bon, il me l'écrit. Alors maintenant ça aussi rien ne m'empêche de le mettre en forme. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'écrire direct merci d'indiquer un pays, je vais l'écrire par exemple dans un paragraphe. Donc je vais générer ici un paragraphe, voilà, avec mes tags PHP. Là, bon, ça va pas me changer grand chose. Par contre, ce que ça va me permettre moi, c'est de pouvoir aller au niveau CSS, de manipuler le paragraphe. Voilà, le paragraphe qui est dans la section, puisque j'écris dans la section. Donc je reviens ici, je vais rajouter, donc je vais partir de mon sélecteur section pour aller chercher le sélecteur enfant P. Je vais demander à ce qu'il soit centré. Donc là je prends ma propriété textLine et je vais dire center. De cette façon, l'information sera centrée. Hop, alors là, si j'appuie là-dessus, il ne me le prend pas. Ça, les joies de genre de choses, hein. Il faut penser à alors afficher le code source de la page, aller dans le fichier CSS. Mais pourtant, il y est. Donc, normalement, il aurait dû marcher. Donc là, c'est juste un problème de refresh. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Voilà. C'est des problèmes d'actualisation. Des fois, c'est un petit peu pénible. Ensuite, on va modifier la taille. Je vais faire un font-size et je vais dire, par exemple, 17 pixels, et puis j'aurais peut-être écrit en italique, et ça c'est la propriété font-style. Voilà, et je vais voilà, ici je lui donne la propriété italique. Je vais actualiser mon document. Est-ce que c'est voilà, c'est bien. Voilà, bon, c'est plutôt sympa, franchement, c'est plutôt sympa. Ce que je vais faire, c'est je vais faire une pause pour éteindre et revenir sur la page comme à l'initial, comme un utilisateur qui arrive et qui a encore rien fait du tout dessus. Allez, je mets une pause et on se retrouve juste après. Allez, me revoilà, je vais valider mon truc et voilà, ça y est. Donc là, j'arrive sur ma page. Je suis où? En fait, quand je suis sur ma page, ici, au moment où on y arrive, en fait, eh bien, ça, je ne le joue pas. Tout mon PHP, je ne le joue pas. Parce que mon PHP qui est là, voilà, ne se joue que s'il existe une super globale de $_post validée. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Bien, s'il existe cette super globale de $_post validée, je vérifie à ce moment-là que l'utilisateur a rempli le champ pays. S'il ne l'a pas rempli, bien, je lui demande poliment de bien vouloir le remplir. Alors, par contre, s'il l'a rempli, d'accord, s'il a écrit quelque chose dedans, ben donc du coup là il va falloir que je mette en place une contre-condition. Donc là j'ai testé si c'était vide, maintenant je mets en place une contre-condition else sinon. Donc ça veut dire que ben, ici tout simplement ça veut dire que sinon ça veut dire si c'est pas vide. Alors je vais juste faire un gaffe parce que j'ai l'impression qu'il m'a pas mis l'accolade fermante. Voilà, donc la contre-condition, ça serait quoi? Alors là, il va falloir que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ben justement, je suis là. D'accord? Là, j'ai dit, si le pays entrée est vide. Ça, je viens de le traiter. Sinon, j'ai deux cas. Soit, le premier cas, le pays rentré, il sera présent dans notre programme.
donc dans notre petite fonction qu'on va créer. Donc ça veut dire qu'on va créer une fonction. Donc ça, c'est la première chose, d'accord? Et la deuxième chose, c'est en fait si ça n'a pas été présent. Donc là, du coup, pour l'instant, puisque j'ai parlé d'une fonction, pour l'instant ici, dans ma contre-condition, eh bien, je vais tout simplement invoquer une fonction et lui envoyer ce que l'utilisateur a écrit dans le champ pays. Donc là, ici, la fonction ne l'a pas encore écrit. D'accord? Je vais lui donner tout de suite un nom. Et à la vidéo suivante, on va écrire cette fonction. Donc là, ici, je vais lui donner un nom et je vais l'appeler, par exemple, capital. D'accord? C'est une fonction qui va nous retourner une capitale. Alors, elle va nécessairement avoir un paramètre. Nécessairement. Quel paramètre? Bien justement, ce que l'utilisateur a entré dans le champ pays. Donc là, ici, je lui envoie en paramètre dollar underscore post pays. Alors, attention, je ne me trompe pas. Dollar underscore post pays. Voilà. Bon. Donc là, on est d'accord que si c'est vide, j'écris merci d'indiquer un pays. Sinon, j'appelle une future fonction capitale. Alors, si c'est vide, j'y vais. Merci d'indiquer un pays. Si c'est pas vide, je mets n'importe quoi. Pouf, je me crée une erreur fatale magnifique. Pourquoi? Parce que j'appelle une fonction indéfinie. Capitale n'est pas définie. Ben non, puisqu'on ne l'a pas encore écrite. Et ben, allez, hop. On retrousse les manches, on se retrouve à la vidéo suivante pour maintenant aller écrire cette fameuse fonction capitale.